nous sommes dans une réunion avec un groupe local de prévention GLP, dans le cadre de la tranquillité publique, hein, la sécurité, hein, la prévention, hein, de la délinquance, dont le maire, la municipalité, plus généralement la responsabilité, et dans le cadre aussi plus particulier du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, charge de la ville des Abîmes, nous avons une des déclinaisons, c'est les groupes locaux de prévention. Ce sont des groupes de travail, d'observation, de discussion, de prospection concernant les problèmes de sécurité qui peuvent se poser dans un territoire donné, des quartiers, qui rassemblent les autorités, évidemment, compétentes en matière de sécurité, premier chef la municipalité, mais aussi les services de l'État, mais aussi les commerçants, les entreprises qui sont dans le quartier, les forces vives, les associations, les particuliers qui s'intéressent à ces problèmes, de sorte de voir comment on peut améliorer la tranquillité publique dans un quartier, la sécurité plus généralement, et participer ainsi à une plus forte cohésion sociale, à mieux vivre ensemble dans les quartiers qui seraient dès lors dépourvus, au moins qui seraient moins pourvus en termes d'insécurité, de délinquance, de criminalité en tout genre. D'accord, donc aujourd'hui, nous commençons. Nous sommes à une étape sur Grand Camp, Rézé, avec ce GLP qui est dédié à ces territoires, ces grands quartiers de la ville des Abîmes, qui, comme d'autres, malheureusement, connaissent une insécurité récurrente auquel nous attaquons par tous les moyens, dont celui-ci. C'est exactement ça, il faut améliorer par une meilleure tranquillité publique, meilleure sécurité, avec ces structures de concertation, hein, de proposition, de veille, hein, de surveillance même, hein, améliorer les conditions de vie des commerçants, des habitants, des jeunes, des moins jeunes, dans le quartier, pour qu'ils fassent mieux vivre dans ces quartiers, avec le concours des autorités publiques, la ville, l'État, et j'en passe, avec aussi l'appui des commerçants, de ceux qui sont quotidiens dans cette proximité, qui sont bien souvent parfois victimes même de ces actes de délinquance ou de criminalité.